Bon, on a sorti le bas là. On a Citroën qui est là aussi. Il y a un qui arrive, ouais. Et j'ai envoyé un message aussi à Laurent de... Georges, il vient aussi, Laurent, j'ai écrit aussi, ouais. Donc faut que je vous débroussaille la pente, c'est ça. C'est mis tranquille en 8S. Ah, c'est ça que c'est bon. Putain, ça pousse vite, hein. Tu vois même plus la bécane. L'herbe est un peu mouillée, ça glisse bien. Tu vois même plus le bordel. Faut que j'arrête de faire le fainéant aussi, hein, de reprendre, de ramener la remorque avec les rampes. On se refasse un coup, un petit circuit par là. Ah, mamie pétou. J'adore faire ça. J'ai dit bonjour aux gens qui te supportent pas. Ah bon. Et il faut que j'arrête de faire le fainéant et que je ramène les rampes comme, et les plots. Comme ça, on se fait un circuit là, un dimanche. Comme ça, le pré, il est tondu. Non, c'est le petit cache plastique là. Chez HP, ils sont pas très malins. Ils mettent des caches qui sont montées de devant mais qui s'arrachent vers l'arrière. Parce que là, tu vois, c'est tranquille. C'est vrai que si je ramène les 14 rampes là et les plots, et on roule un peu là, tu vois, comme ça. Du coup, on change là parce que là. Tu passes sur le pont, le terrain il commence à être un peu. Il faut qu'on aille aussi à Haute-Marsheim sous le pont d'autoroute. Là-bas. Là-bas on est tranquille. Il y a un endroit. Quand tu prends la route EDF là. Ouais. T'as la petite partie à 70 là, tu sais, t'as le S. Ouais. Ah, tu passes devant les temps, tu continues. Et tu regardes quand t'as le panneau 70, tu regardes sur ta gauche. Ça me tente le plus souvent, tu vois un bel espace, quelques buts, tout. Ah ouais? Et je sais pas où me garer encore exactement pour être sécur. Ah mais ça je vais pas faire ça, ouais. J'ai vu ça il y a peu de temps, que je me dégâts, sur une fois. Ouais. En venant justement de l'autre. Ouais. Tu le vois mieux quand même, quand tu tournes la tête. Je pense à être plusieurs là-bas, ça ira pas, parce que tu gares sur l'herbe, mais dans le virage en même temps. Ouais, bien, voilà, après je vais se carrer le long de la ligne droite et tu marches 100 mètres, c'est oui, pas le mot. Voilà.
Allez, va tout droit. Oh, planté de bâton. Quand là ça va, c'est la période où toutes les nuits sont encore bien humides. C'est après en été, quand tu fais 35-40, les nuits sont sèches. Ah, quand tu roules dans le pré, il est rincé. Ouais, c'est ça. Parce que ce morceau, il est grand aussi là. C'est pareil, tu vois, parce que ce bout, il est grand. Et de l'autre côté, tu sais, il y a une grosse arène là. Ah bah là c'est... Mais tu te fais chier pour te garer là-bas. Ben en fait, c'est juste là, de l'autre côté du pont. Ah ouais. Ouais, après on peut se garer le long de la route là-bas. Parce qu'après là-bas sans les rampes tu te fais chier, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai toutes les rampes. Pour passer là-bas, on connaît la piste tout ça. Ah ouais, bah oui. Ah, je sais. Bah, la dernière fois il y a le MR2 quand même, cela. Il est sorti du tube là. Avec 4 personnes à bord, il fait son petit tour et il sort du tube. En bagnole. Ouais, un dimanche hein. Putain, les salauds. Et il est pas rentré doucement à 5 à l'heure. L'autre il est passé, je suis une mère quoi. Et même s'il y avait la gendarmerie, le maire, il aurait pu attendre longtemps. Surtout si c'était un WC, ceux de Kems. Bonjour. Ah, mais je suis monsieur le maire. Ben, c'est pas grave, c'est deux fois plus cher alors. Joli. Ça tape bien, hein. C'était à prendre des armes un peu plus dures, mais enfin plus mal. Ben moi j'ai mis sur l'orange, j'ai mis les, d'origine des ressorts 1050 LBS. Ouais, j'ai pris les 1250, j'ai pris les 1500 et des boîtes. Sur Big Man j'ai mis 1005 parce que j'ai. En fait le problème c'est que les durs ils sont trop durs. Ouais. Sauf quand t'as mis le gros moteur et la carreau et tout. Ouais. Mais les 1002 franchement c'est pas trop mal. Après d'origine il y a la 350-400 CST dans les amortos. Ça c'est 35W donc ça fait 400-450 CST. Rien que mettre de... Après j'avais essayé 500, ça va bien. Si tu passes à 600-700 c'est trop ferme en fait. Ça va bien pour les sauts mais après dans le terrain il commence à... Les amortos 1.2 avec lui là 500 j'aime pas, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que le dimanche, si on roule côté route, il y a moins de risque de shooter un cycliste. Parce que là, depuis un moment. Ouais, oui, plein de fois. Bah, c'est facile. Le truc, c'est de pas mettre trop de gaz. Si tu mets trop de gaz, le châssis se colle au plafond. Mm-hmm. Tu frottes. Donc tu mets juste un petit coup de gaz et le machin, il tourne tout seul. En fait, tu gazes jusqu'à la moitié en haut. Ouais. Il fait son demi tout seul et tu retouches les gaz et hop, et tu peux faire. J'en ai enchaîné 10, 20, comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas perdre la direction, tu vois. Faut virer le TSM parce que sinon, il est de toute façon éteint. Ouais. Parce qu'avec le TSM, il perd la boule, tu sais. Après, tu pars en tire-bouchon. Ouais. Et ce qu'il faut, comme dit, c'est pas y aller trop fort parce qu'il y en a deux, trois, ils ont voulu le faire. Ouais. Et l'autre, il y va, il part en tire-bouchon, mais la voiture, elle est passée à l'envers au-dessus de la tête de Greg. Enfin, l'autre Greg de Hobby. À l'envers. Le gars, il est sorti vers nous, comme ça, la voiture, elle est passée au-dessus et s'est crashée vers le CD passage, vers le panneau, là. Parce qu'il a mis gaz à fond et il est parti en tire-bouchon, donc elle a accéléré dans le tunnel quoi. Ouais. Elle a dit putain mais t'es... Ah tu vois même plus, t'as moyen d'herbe là. Le machin il est noyé dans l'herbe. J'ai refait le rustler à Greg là. Ouais, il arrête pas de faire les pignons. Ah ouais.
Y a quoi, le moteur ? Non, non, mais là, c'est... Alors, le slipper, déjà, il se baladait de 5-6 mm comme ça, là. Ouais. Donc forcément, après, ça va toucher le moyeu du pignon, tu sais, au bout des dents, ça tape un peu dessus, ça le bouge, du coup, le pignon se desserre, hop. Il y a ça, et bon, après, il y avait les roulements qui commençaient à être usés, mais il a fait 117 packs. Oui, il est allé fort. Il l'avait, ouais. Bon, ça va, franchement, il était... Non, non, encore, il roule... On va dire la moitié des roulements qui grattaient, il y en avait un ou deux qui étaient morts, et puis un ou deux il avait déjà changé. Ça arrive après. Après sur le pump track, ça le... Bah, là, ça rince le châssis quoi. Voilà. Alors là je lui ai dit de faire des... Je filais des trucs, des tubes en TPU pour faire des butées de suspettes. Mm-hmm. J'ai dit tu fais 1,5 cm, parce qu'il a mis des petits trous en plus. Ouais. Comme ça il tape sur la butée et après il reste 5 mm pour... Et du coup sur le pump track il sera bien. Au tout début quand il l'avait acheté, je savais pas trop si vous l'avez. Ouais, bah oui. Il voulait pas trop vent. Ouais. Et du coup, tu voulais suivre le sled ou le. Ah, moi, c'est pareil, hein. J'avais recommencé avec un slash parce que je voulais pas prendre tout de suite un révo ou un truc, tu vois. Je me suis dit d'abord, il faut voir ce que ça donne, mon genre, et si ça plaît, quoi. Ok, tu prends un sled ou un wet match, quoi. Ouais. Et là, tu fais, tu fais ça, hein. Ah, ouais, ouais, tu m'étonnes. Ouais, il adore. Il était avec moi l'autre jour, là, puis il avait pas encore fait les backflips. J'ai dit si, tu roules juste sur la bosse, tu réfléchis pas, il fait tout seul. Et après, une fois qu'il a pris goût, c'est bon. Quand je l'ai appelé la première fois, il y a un arbre qui est venu par là. Et les deux triangles apparemment. Un triangle il a fait, ouais. Et là, il a le moteur qui a bougé un petit peu, mais je lui ai dit tu vires juste le blocage d'entre-dents et tu fais l'entre-dents toi-même. Ouais. Ouais, bah j'ai été en plein temps là. Ah, il bouge encore, ouais. Ah, ouais, mais moi aussi, chaque fois. Je suis devant, je suis derrière. Pac! Ah, bah non. La petite pitchnette pour qu'il redescende. Avec le 2VD, j'y vais doucement. Ça aussi, il faudra qu'on fasse. Hein. C'est une fois qu'on aura bien roulé là, que ça sera plat, on fout les rampes là. On traverse. De toute façon, on arrive déjà, j'ai déjà réussi. Ouais. Mais t'arrives pas là-dessus en fait, t'arrives en bas. Mais avec les rampes, je pense qu'il y a moyen de faire le contre-appel là-dessus. Mmh, avec les... Ouais, c'est ça, ouais. On risque de faire des plantées dans le mur. Mais après, j'ai la grande rampe aussi. Mais après, avec la grande, on va peut-être pas assez loin. Quoique le sledge sur la grande, il a quand même envoyé 25-30 mètres. Sur les petites, voilà. En fait, j'arrive à 40 mètres. On va voir ça. Il arrive. Après sinon ouais on se fout dans l'arène à côté et puis... Ah oui. Bon après là-bas il récupère le fourrage tu vois, il va peut-être pas être content. Ici il s'en fout. Et sous le pont d'autoroute on est tranquille parce que là-bas j'ai demandé tu vois, j'ai vu les gars de EDF, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on s'en fout. J'ai vu les gars de la VNF qui m'ont dit c'est pas à nous. Et j'ai vu le gars qui s'occupe de tondre de la DDE et il m'a dit mais tu roules où? Je dis là, mais attends je tonds d'abord là. Ouais, le mec il m'a tondu d'abord là où je roule et après il allait faire le reste. Ouais, ça les arrange aussi qu'on tombe un peu à leur place. Bah ouais, il a dit, hein. Et on a de la place. Ouais. En plus, il y a des grosses pentes, des centres remontées. Après, c'est juste le piège avec l'appel contre appel, parce que t'arrives à blind. Et en fait, tu tapes et les skid plates, tu les bouffes, quoi. En 3-4 runs là-bas, tu as poncé ton skid plate devant. Faut juste ralentir un peu, tomber avant le bout, tu vois. Mm-hmm. Ou quand tu viens dessus, tu fonces, tu lâches les gaz, il prend la montée et là, tu remets. Mais tu arrives à faire des sauts en longueur bien sympa, tu vois. Surtout en plus, on emmenait les rampes en plus. Et ce que j'avais fait un coup, c'est mis la grande rampe en bas. Fait que tu tapes la grande rampe en bas, tu montes de 5-6 mètres et tu tombes en haut à ras. À ras de la. Tu te poses comme une crème. Poc. Ah ouais, comme. Voilà, par contre, faut faire un petit sens. On avait mis des cônes pour faire un sens parce qu'au début, il y en a 2-3. Tu sais, genre, on avait mis la rampe là et là. Et après, ben. Il arrive en face de la rampe. Donc il y a un X-Max qui est monté et le SST. Non, le Truggy, il est monté et le X-Max est descendu dessus. What? Les deux toits, elles rasées. Hein. L'autre, il était
il avait tout couché. Les amortos, ils étaient comme ça, les tourelles comme ça. Le X-Max, il avait rien. Voilà. Juste avec le bulkhead devant, tu sais. En plein dedans. Ça suffit. Donc, j'ai dit là-bas, faut impérativement, tu fais un sens et il faut discipliner un petit peu, quoi. Parce qu'il y en a un qui descend et l'autre qui monte, le frontal il est méchant. En plus les gens ils ont le réflexe de piler tous les deux, tu sais. Donc tu t'enfonces. Et en fait ce qu'il faut, si t'as le véhicule le plus petit, c'est que tu piles et celui qui a le plus gros il met gaz. Pour que justement tu passes au-dessus. Et ça, et tu fais pneu-pneu et tu décolles voilà. Par-dessus. Ah oui, il est venu chercher le cerveau hier soir aussi. 45 kg brushless. Ça va lui changer. Ouais, ouais. Ah, d'ici, je le voyais pas. Ah oui, en plus, c'est facile pour lui, la programmation de la radio. Pour beaucoup de gens, c'est du chinois, mais pour lui, qui fait du programme et de l'électro, pour lui, c'est. Ah, tic tic tic, c'est bon. Il nous a réglé ça en 2-2. Hein ? T'as vu, c'est facile. Alors, c'est comment la direction ? Bah écoute, là je passe, moi je vois plus où je suis, alors c'est un peu complexe, mais pas grave. Ah, t'es là-bas. Ah, t'es là. T'as augmenté le rayon de braquage alors ? Bah grave, pareil ici. Hop. Endpoint là, mais. Ouais, mais tu vas sur. Il faut faire le reset endpoint, ah, comme ça il va d'office à fond. Ouais, faut se méfier. Surtout là avec les vieux qui viennent avec les vélos électro, tout d'un coup ils arrivent vite. Mais n'empêche qu'ils se sont bien habitués les gens quand même. Ouais. Au début ici ça râlait quand ils ont installé les bosses, quand on commençait à voler. Merci. Le titre mal la gueule. Ouais, non, mais je vais demander là vite fait. J'ai eu un problème avec les pneus du. Au début c'était plat, donc ça râlait. Après ils ont installé les bosses et là on commençait à voler avec les voitures. Donc les deux premières années, c'était un peu chaud avec les gens. Mais là maintenant, t'as vu, il y en a qui viennent pour nous voir ce qu'on fait exprès. Hein, tu vois, ça commence déjà à s'aplatir un peu là. Hein ? Tu vois, là, il réagit quoi. Bah, avec le truc d'origine, tu tournes et tu comptes jusqu'à 1. Tu fais 1 et après, là, il tourne. Et le pire, c'est quand tu fais fond droite, gauche, avec le cerveau d'origine. Là, t'as l'impression qu'il faut des plombes. Mais il faut que j'arrête de faire le fainéant, j'ai dit à. J'ai encore oublié son nom. Je l'appelle Citroën. Je vais appeler C2 et C3. Et maman, c'est C1. Ah, tu trouves que c'est trop ou ça va là ? Toi, t'avais un peu moins, il me semble, non ? Ouais, ouais, j'avais encore un peu moins. Après, c'est chiant parce que chaque fois que tu serres, en fait, c'est vrai que le sens de serrage de vis, il s'écarte. Parce que même moi, j'avais réglé un peu plus serré, le temps que j'ai fini de serrer, bah, j'avais ce jeu que t'as vu, quoi. Ouais, il faut que j'amène la remorque et les rampes et les plots. Comme ça, on peut se foutre une fois là, tu vois. Si on passe d'abord avec les gros, au bout de deux packs avec les gros, c'est réglé. T'as la place pour les petits. En face, tu sais, est-ce que tu passes le tunnel de l'autre côté ? T'as une arène ovale en fait. Ah ouais ? Ah hein ? Oui, ça, il y avait des gens. Ouais. Bon, là-bas, le gars, il récupère le fourrage, donc il. Mais ici, il s'en fout, tu vois. Et comme dit, on ira un coup à Haute-Marsheim. Parce que quand t'es plein à Haute-Marsheim, tu fais chier personne. Même en semaine. T'as, les gens ils viennent pas se balader là-bas exprès, y'a pas de passage. Parce qu'au bout, en fait, c'est un cul-de-sac. Quand t'es sous le pont, t'es obligé de revenir. Donc y'a pas de. Tu vois, y a pas de gens qui passent, de cyclistes et de machin. Parce que quand t'es à 10-15 en train de rouler dans tous les sens, t'as vite fait d'oublier qu'il y a un vélo qui peut passer. Thank you.
De temps en temps, on se met là-bas au bout aussi, tu vois, où il y a les arbres et le buisson là-bas. Parce que là-bas, ça pousse moins et on fait le circuit là-bas. Mais c'est sûr, quand c'est tout plat, si t'as pas de rampe, c'est chiant. Hein. Et encore, après, je dis pas à 10 ou 15, les premières fois que tu roules à 10-15, c'est peut-être plus prudent de faire un circuit à plat. Oh, le contre-appel joli. Bon, une fois que ça marche. Enfin, deux roues motrices, c'est pas la même. Attention au vélo. Ah ouais, c'est le piège. Ah, t'as fait ton mani. Pourquoi tu prends les armes? C'est mani, il a montré dans les vidéos. Fais attention, ils ont replanté le poteau. Parce que c'est 3, il a oublié avant. Attention vélo. Merci. Cette passion pour le saut de mouton. J'aime bien. C'est vrai que le Baja, j'ai pas encore essayé de faire des tours dans le tunnel. Je sais pas si ça marche bien en 4-2. Surtout avec les tétines qui patinent. Parce que tu vois, sur le goudron, j'ai. Tu vois. Par contre, dans l'herbe, c'est pas mal. Ah, oh, j'ai mis de la poussière sur le sledge. Excuse-moi. Vélo en bande. Bon, ça sera quand même mieux en 12 après. Si je commence doucement en 8. C'est ce qu'on fait, j'ai dit à C3 la prochaine fois que quand j'emmène les rampes, on prépare le terrain là, que ce soit pas assez bien tendu, tu vois, et on met les rampes sur la butte et on traverse. Écoute, c'est les rampes normales à poser à plat dans le champ, je fais à peu près une quarantaine de mètres si tu arrives à blinde. Après la grande rampe, tu vas moins loin mais tu vas plus haut, tu fais que 25 mètres. Ouais. Est-ce que 25 mètres ça suffit, tu crois, pour traverser? Si on met la grande rampe au bout de la butte, donc on prend la butte, on prend la grande rampe. Ça peut pas suffire, non? C'est sûr? Ah, t'as raison. T'es prudent. Ah, mais moi j'ai serré comme un bourrin. Hein. J'ai sorti le cliquet. Hein. Moi aussi j'ai mis de la bleue et j'ai serré comme un bourrin avec le cliquet. Mais en fait, l'alu, tu vois, tu fais carrément les empreintes dedans. Hein. Oui, j'ai vu qu'il y avait des empreintes. C'est un truc de débile. Ils auraient dû mettre des, tu sais, des petites cuvettes en alu avec les têtes fraisées. Comme sur les 1/5, ils font ça. T'as une cuvette ovale qui rentre dans le trou et t'as une tête vis fraisée et du coup, ça renforce les deux. Ah bah ça y est, coupure. Nickel. Alors là, j'avais les vieilles Bashing 8000. Tu vois que ça coupait beaucoup plus tôt que la dernière fois avec les batteries récentes. Hein. On avait, qu'est-ce que j'avais dedans? J'avais les DXF 9002. C'est cool, on peut en passer en 12 après. On en fait quoi là? On coupe pas pour étage et tout. On en est où? On est où? Ta caméra est déjà trop chaud. 25 minutes. Oh, ça y est, il roule. Le XRT3. Attention les vélos.
Alors, il y a mon subtrim. Oula, combien ? Un petit 80. Test de portée, on est bon. Il est où Greg? Pardon. Il est là-bas. Hein? Allez, il ah, t'as vu ça? Caro. Vélo, vélo, vélo. Vélo. J'arrive. Ah, je lâche jamais l'affaire jusqu'à ce que ça marche, moi. Je voulais rouler l'XRT, il fallait qu'il roule. Elle est chouette, hein? Ouais, c'est chouette. Franchement, ça jette. Et comme le max slash, putain, tu regardes la garde au sol devant. Ah, il est bas, hein? Mais il ah, il est catastrophe, super. Ouais. Il est super. Ouais, ouais. Ouais, bah après, c'est, genre, c'est un engin que tu roules un peu autrement, de toute façon, ouais. Tu roules pas pareil. C'est mini moi, regarde. Oh, oh. Est-ce que je vais réussir à te remettre? Non, ça marche pas. Ah, pose là-dessus. Pose-le voir dessus. Non, je passe. Ouais, mais mets-le une fois dessus. Derrière, sur l'aileron, un peu plus. Voilà. Attention, il n'aura jamais roulé aussi vite de sa vie. Merde, ça va pas. T'as vu, on a des cibles au milieu. Bon, le point positif, si c'est moi qui te le casse, tu auras une plus grosse à la place. C'est qui, tu... c'est qui avec Wesh. Oh, putain. Qu'il a le feu. Attention les vélos. Voilà, il va bien, j'ai mis le timing à zéro. Je crois que j'avais laissé trop de timing sur l'autre. Ce qui va bien aussi des fois là, regarde, si tu vises bien ici, tu tapes entre les deux arbres là, et tu arrives à faire le transfert dans la pente là. Il faut pas forcément arriver fort, regarde. Tu vois, presque. Joli. Tiens, on est trois, il va beaucoup mieux.
en large, il est chiant. Oui. Après, tu veux faire un sur-route. C'est une grosse crêpe. Non, c'est chiant. Voilà. Il est fait pour planer. Ouais, même pas, parce que quand il est large, tu sais, il déjauge. Et tu peux plus le rattraper. Alors que là, si je mets un coup de gaz, il revient. Tu sais, t'as les poids trop bas. Je t'ai vu le faire, le rattraper tip-top, quoi, chaque fois, on bouge. Ouais, mais t'es en étroit. Déjà. Non, t'étais déjà en large. Là, j'ai essayé. Ah, quand il était tout neuf, ouais. Oui, bah ça va un peu mieux que l'arme à un cinquième, mais là, quand tu prends de la vitesse, t'es mort. Ouais, directement. Il a serré les fesses quand même. Comme l'autre avant, je l'ai vu, je freine. Tu vois, ils sont pas chiants les cyclistes. Elle a zigzagué entre. Ils le savent, je vois sur les pages de trucs de tour de vélo, c'est écrit maintenant. Zone de danger, chute de voiture. Joli, oh, oh, presque joli. J'ai dit joli, non, bah en fait. Un petit peu d'hésitation sur la fin. Regarde tous les pervers à poil dans le champ là. Je crois que les pneus ils aiment pas trop. Les pneus ils aiment pas trop, hein. Non, ça sent pas ton truc là. Pousse-toi le poteau. Pousse-toi, j'ai dit. Joli. Poto. 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 Je vois pas la petite. Ah. Ah, il faut que tu mettes des bretelles, hein. Bah j'ai freiné parce qu'il y avait Fabrice. Bah oui, mais je t'ai vu en bas, j'étais pas sûr de la trajectoire. J'ai dit je m'arrête net. Là c'était obligatoire là. Ça roule encore, qu'est-ce qu'il y a? On va pas avoir le problème moi. Ça c'est vraiment du bourrinage. Écoute, les virages à droite ça se passe très bien. Alors, t'es grave. Là je crois qu'il y a plus qu'un triangle. Si déjà faut le finir. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Parce que la carreau elle est bizarrement à côté. Non, moi je pense que là on a deux morceaux de châssis. Alors? Ah non, ça va, il est. Roule toujours, c'est bon. Ah, même pas, il y a tiré. Ça va la gueule? Bah, c'est juste le triangle.
Ah ouais. Bah, j'ai vu Fab au dernier moment, je me suis dit je préfère piler, planter là où il est que de rebondir dans sa tronche, tu vois. Ah ouais, c'est Asian Tuning. Qui c'est qui m'a coincé en l'air là? Je voulais faire un backflip moi. Non. Non mec, deux roues motrices pour le backflip, c'est raté. Non, c'est toujours le même. 11 kilos là. Qu'est-ce qu'il y a? Il roule encore. Mais le problème c'est que j'ai la puissance qui fout le camp devant. Tu continues parce que t'as pas envie de te faire chier à changer. Ah oui, c'est vrai que j'en ai avec en plus. Hein? Pourrait peut-être le changer, Mani. Hein? T'as envie de faire le bourrico. Oh! T'as pas à faire, tu l'achèves, hein? Ah, bah je vais changer le triangle. Merci. Voilà, changer mon triangle. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mis les renforcés, j'ai mis les normaux. Je pense que le renforcé aurait survécu à ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai préféré planter la machine que de dégommer le rebond à... du collègue. Moi, on grafouille, ça va, mais les autres, on évite. Ça arrive. Ça m'arrange que ce soit à l'autre côté, j'ai fait deux fois le même. Donc j'ai plus que... T'as mis quoi en alu? Les jeux, t'as mis quoi? Enfin, pas regarde. Ah mais ça c'est normal, en fait, ça c'est pas très grave le jeu. Oui, normalement t'as rien... Regarde déjà la fixation entre le triangle, tu vois comment ça bouge? Mais à la limite, là tu passes une vis et tu mets un écran dans le sac. Ouais, 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 ça serait mieux. Vélo! 3, 2, 1, 0. Oh, arrête d'être con, toi. On s'est arrêté, hein, espèce de débile. Mais viens, mets un coup de pied, c'est lui qui va tomber. Mais il est débile. Hé, hey, je filme tout au cas où, hein, tête d'ampoule. On est en plus bien à l'arrêt. Mais ouais, t'es à l'arrêt, l'autre. Et je vais à coup de pied dedans. De vélo, de vélo. Non, mais l'autre est. Ah, mais s'ils ont peur de faire du vélo, faut arrêter alors. Tu vois, eux, ils ont pas de problème. Vélo. T'as vu, regarde. Non mais l'autre, trop fort. Mais écoute, mais vas-y, ça va, mais c'est ça, ouais, ça va te faire bizarre. Non, et puis il y a des enfants au milieu, l'autre il fait l'agressif, fait le show là, putain, mais. T'as vu, j'ai évité le rustler, hein. Ah, par contre, papa, on va pas l'éviter. Regarde. Il va bien avec le 1100 KV. Là, j'ai le Obi-Wing 1100. T'as mis dedans ? Ouais. Avec le Maxis aussi. Oh, c'est... J'ai mon sauve-tireur chinois qui m'emmerde. Il arrête pas de se desserrer en fait. Ah.
La bosse est plus fraîche, ça vole un peu mieux là. Vélo en approche. Ah, je vais me faire Georges. Je vais me faire Georges. Attention au vélo. Je suis en dehors motrice. Qu'est-ce qu'on a? Tu crois que le tube il a lâché? Ça sent le tube. Ouais. Je suis en 2VD. Vélo. Bonjour. Ça va pas. Il va pas aimer. Là, je crois que le pignon s'est desserré. C'est parti sur Philippe. Se calme un petit peu. C'est rigolo, t'as vu? Il était posé pendant une semaine. Les pneus, ils ont des petits méplats. Ah, j'aime bien le look de celui-là. C'est le look que j'ai eu un peu trop chaud. Hein, du coup, tu as fait un sans manche. Mais il a plongé dans l'eau, celui-là. Ben, il a quelque chose qui a cramé, ouais. Ou tu t'es amusé au chalumeau. Non, en fait, si tu veux, j'ai essayé de faire un glaçage à l'époxy. Il a pas pris. Ah bah ouais. C'était un peu trop chaud. Ouais. Il y a même une table qui a pas pris non plus. Je fais une table avec les restes. Et allez, vas-y, je me fais la coque du os. Non. Oh merde. Non. Mais comme ça, j'aime bien. Ah, c'est vrai, il est loin. Ça refroidit bien et. Attends, ça sert pas à grand chose qu'elle soit. Ah, ouais, ouais, mais je devrais même aller encore plus loin, tu vois. Mais... Ouais, franchement, ouais. Franchement, les sledgehammer sur le X-Max, les belles têtes, c'est génial. Il est maniable dans la cour. Regarde, je suis dans l'air, petit, super maniable, tu fais ce que tu veux avec. Excellent. Attends, j'y vais. J'y croyais pas, hein. Après c'est sûr que s'il faisait 100 grammes, s'il faisait 100 grammes de moins les pneus, ça serait bien aussi. Hein. C'est 100 balles de moins aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin là, tu les as à 190, quelque chose comme ça. Ça fait combien de bacs avec? Là, je suis au 3e ou 4e. Alors, tu vois, pour les backflips, ça devient chaud. Par contre, ta maniabilité est... Ouais, il te faut un X-Max belté, là, toi. Voiture. Hop là.
T'as pas besoin de mettre des options sur X-Max, tu prends juste un bel tête, c'est réglé. Ouais, mais après il peut pas te filer, c'est dommage. Ah si si, bah j'aurais pu en rentrer, hein. Regarde. Ah oui. Tu peux toujours flipper. Faut vraiment y aller comme un peu. Ouais, ouais. Mais je vois là, tu vois comme il va bien dans l'herbe. Par rapport aux roues d'origine ou aux des autres. Tu te casses pas la gueule dans les virages. Encore lui au milieu. Et marche pas sur Pierre-Yves. T'es pas bien, non, c'est Philippe. C'est Philippe. Ah, je vais me faire Murat. Attention. T'as vu, il fait même des fronts. Bonjour. Oh, ils sont cool, ils passent tous les matins. Allez, c'est parti, on se Bill. À mort le Bill. Et qu'est-ce que tu fais en sens inverse, toi aussi? C'est là où on arrive tous pour sauter. Pour sauter avec. Ah, mais attends, maintenant je vais te traîner un peu sur le goudron. Non, je rigole. Ça accroche mieux. Vélo. Vélo. Vélo de la Migros. Bonjour. Faites l'apéro. Tu vois, il y a des gens détendus du flip. Engagement. Strike! Ils ont même pas compris. Ils t'ont pas entendu, hein. Hello. Vélo. Ah ouais. Vélo cargo. Attention, vélo rapide. Bon, moi je fais le circuit en sens inverse, hein. Regarde, regarde, comme ils, regarde comme ils vont flipper, regarde. J'arrive. Vélo. Hop. C'est bon. Il a freiné plus que prévu. Je me suis dit tourne tranquille, hein. Ah, il a paniqué pour le petit. Bon, j'ai encore le temps. Bisous. Arrêtez de faire des petits, ça va pas venir un petit Max. J'essaie un loulou coupe-terre. Ah là, c'est bien joué, tu vois, il y a eu diversion et hop le piège. Je suis venu devant lui, alors il m'a regardé moi, lui il n'arrivait pas derrière. Vélo. Attention, c'est un petit vélo jaune. C'est le maillot jaune, attention. Plein de vélos. Ah, il y en a pas en blanc. Bonjour. Bye.
Tu vois, ça va bien les belles têtes. Ah, c'est les origines. Ouais. Tu te bouges, t'as raison, mais les ouais. origines. Mais les autres, il faut plus le faire. Y'a carreau foot. J'essaie de te la ramener mais ça marche pas. Un bout de vélo. Ram. Vélo. Bonjour. Non mais avant on l'a fait à deux, en fait moi je suis arrivé devant, donc il regardait la voiture devant et Bill il arrivait par derrière. Ah, exhibitionniste. Ça, c'était dur. Bon, normalement d'ici on peut faire le transfert, hein. Ah là, j'ai peut-être visé un peu loin. J'arrive à me pousser, Murat. C'est dans la bonne porte. Oh, aïe, vélo. Vélo. Pousse-toi. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça, c'est obligé. Comme ta droite. Je voulais freiner, j'ai fait une erreur de manip. Bon, là, on peut pas dire qu'on les a pas provoqués. Mais t'as vu, ils sont restés cool. Tranquille, ouais. Hein. Ils ont vu déjà que t'as fait une marche arrière, tranquillement, quoi. Front flip, ça rentre aussi, tu vois. J'ai. Oh, comme il s'est bien rattrapé. C'est pas fait. C'est pas fait, les gars. Vélo. Plein de vélos. Voilà. Ah, c'est la saison. Ouais. Après, par ici, c'est plus raide, tu veux mieux rentrer tes backflips. Attention, bouge pas. Il zigzag au milieu. Il fait de l'esquive. Vélo rapide, attention. C'est les moins chiants, mais bon. Ceux qui gèrent. Ouais, c'est ça, ils esquivent tranquille. T'as vu cette douceur? Hein, il est pas méchant, Philippe. Tu vois, regarde, si on prend l'élan ici, ça va mieux, regarde. Vélo. Vélo. Non mais là, parce que je regardais le vélo. J'ai laissé tomber mon flip parce que... Comme ils ont gueulé vélo. Qu'est-ce qu'il y a? Bah si, j'ai vu. Mais c'est bien, c'est pratique, t'as une petite rampe. Allez où ma petite rampe bleue? Il a
en foot. On est des tendeurs, elle est pas belle, regarde. Tu remarqueras que j'ai plus que le train avant moi. J'ai une fusée arrière qui a lâché. Attention, fusil. Ah non, c'est un triangle. Est-ce qu'il est cassé? Est-ce qu'il est des... Je pense qu'il est dépopé. Ouais. Est-ce que j'ai encore mon axe? Oh, l'axe est parti. Ah non, il est là. Ouais, regarde, yalla. On est reparti pour un tour. Alors. T'as pas une vis pour bloquer? Si, 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 si. Mais après, avec le flex, tu sais, quand ça chauffe. Ah, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le remettre à la main. En fait, c'est pour sortir le pied en l'air. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enfoncer nouveau à la main? Comme un bourricot que je suis. Faut tirer. Ah. Bon, on va me prendre des yeux. On a remis la patte. J'éteins la radio, moi. J'ai fait ça, ouais. J'ai roulé sur quelqu'un? Car au foot! Vélo! X-Max! Ah, raté! Un back flip, je l'ai sur l'autre vidéo. Roulette. Bah oui. À tout de suite alors. Okay, et l'autre, il se prend pour Batman, il parle à sa montre. Après là, entre nous deux, là, et normalement, ça fait un bon appel aussi, là. Voilà, ouais. J'aime bien suivre la ligne. C'est un peu raide, ça tape en bas, t'as vu? Hé, hey, le mien il le redresse pas lui. Il est sympa lui. Merci. Je reviens. Ouais, j'ai entendu. C'est pas juste une pierre, peut-être?
Un de ces quatre, elle va mordre la petite. Ah, des morceaux de carrosserie là. Ah ouais, mince. Ah ouais. Effectivement, ouais. T'as oublié ta portière. T'as encore un qui est allé fixer sa portière chez Peugeot. Non, ça va. Oui, ça c'est rien, ouais. Vélo. Ouais, c'est pas sûr que ça la tourne. Vélo. Que personne ne bouge. J'ai dit personne ne bouge. Ben, bah non, non lui, parce que toi t'étais de dos. Mais lui il était de face. Et j'ai bien fixé sa tête avec la caméra, j'ai fait personne ne bouge. Tu verras le ralenti. Mais ce qu'il y a, quand il y a les ralentis, ce que tu constates, c'est que la voiture est déjà passée. Et là t'as le mec qui fait. Après, c'est ça. Comme il a gueulé. Ouais, ouais. Faut que je ramène les rampes. Faut que je ramène les rampes. Parce que là-bas, tu sais, si on se met là-bas, dans le triangle ici, on fait chier personne. Là, dans le triangle là, souvent je roulais là-bas. Mais faut que je ramène. Faut que j'arrête d'être fainéant. Je ramène les rampes. On met les gros cônes. J'ai 14 rampes, ça fait 7 sauts, tu vois. Ça fait 7 sauts, j'ai 14 rampes. Tu vois, et après, on peut faire. Tu fais un saut. Tu sais, tu rentres dans le virage, tu prends le virage, il y a un petit saut comme ça, les gens vont pas trop fort. Tu peux faire l'inverse, tu vois. Voilà, et puis un, tu laisses un saut sur la ligne droite, comme ça, les mecs peuvent. S'exprimer, j'ai la grande rampe en plus. Si on la met bien, on peut traverser. Salut les mecs. Salut. Bonne journée. Salut, bonne journée. Ouais, tu sais quoi, c'était peut-être juste une pierre qui traînait dans le cardan avant. J'espère, parce qu'il n'a pas de CE. Ouais, ouais, justement, j'ai entendu aussi. Une ouais. Quelque chose qui a sauté là. Je pensais aussi. Il a plus dedans. Attends, je vais en arrière. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est... Ouais, bouge pas, reviens ici. Non, mais. Pneu sur pneu. C'est tout couillon. Mais c'est super rigolo. Quand tu vas, franchement, t'arrives à backflipper, t'arrives à faire des belles chandelles des fois où tu sais, si tu montes assez haut, tu peux freiner assez fort pour revenir. Ouais. Mais c'est pas toujours. Nickel, merci. Donc, il faut prendre le. Bonjour. Voilà, c'est l'heure de midi, ça se calme. Voiture, voiture, gaz, y'a une voiture. Ah, bah, moi, je suis amoureux de ces pneus, ça c'est sûr. Moi cherche, tombe amoureux aussi. Raté. Bon, ce qui va être bien après, c'est. Eh, regarde l'autre, il passe à côté du mien, il le ramasse pas. Ah, l'aller et retour, tu sais. J'étais en train de penser, j'ai la porte de la voiture. Ah, c'est pas grave, ils ont vu. Non, non, je crois pas. On verra sur la vidéo. Alors ? Je sais pas, il a pris un coup parce que regarde. Ouais, mais c'est peut-être ton tube qui commence à. Parce que là, on les tabasse les tubes. Hein. Mine de rien. Ouais. C'est le saut de mouton. Ouais. La batterie qui commence à faiblir quand même.
Je sais pas si tu passes derrière ou devant l'arbre. En fait, t'as pris dedans. Donc, j'ai aussi cru que j'allais laisser les cieux là. Pourquoi t'as peur? Ah, j'ai pas peur à la voiture, j'ai peur au pilote. Moi j'aime bien prendre le virage là comme ça et tu passes à ras, tu repars. Moi je pense t'as remarqué depuis le temps. Ouais. Oh, 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 oh. Il était beau. Ah, il s'est éteint. Ah, Enzo est arrivé. Attention, vélo. Vélo de l'autre sens aussi. Attention, Enzo. Ah, c'est bon, ils sont là. Bonjour. Ploc, 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 ploc. Tiens, au foot. Bah, j'essaie de la ramener, hein, mais... Non, je me suis dit, je vais l'accrocher sur la roulette ou un truc. Ouais, elle risque rien, elle est renforcée. Si je casse, je paye. Tu vois, j'essaie de la ramener. C'est une bonne idée. Ah, ouais, tu peux y aller si elle est sur poste. Allez, je t'attends. Pas de vélo, c'est bon. Ah, ça y est, je suis enfin coupé. Je suis pas loin aussi. Là, ah, Bill, il aime bien lancer la carreau, lui. Ah, ça saoule, c'est...